Souvent, on pense que parce que c'est en ligne, vous êtes laissé à vous-même et qu'on n'a plus aucune relation. Vous écoutez les vidéos, vous faites les choses de votre côté, puis moi, je vous laisse aller. En fait, on a beaucoup de relations. Toutes les semaines, on est en atelier interactif. Donc, il y en a un par semaine. Donc, soit qu'il a lieu un jour de semaine ou soit qu'il a lieu un jour de week-end. Et c'est on alterne. Une semaine, c'est la semaine. L'autre semaine, c'est le week-end. Semaine, week-end, semaine, week-end. Et c'est créé avec des heures qui conviennent aussi bien au Québec qu'à la France parce que la majorité des personnes qui sont inscrites sont françaises. Donc, on a nos ateliers interactifs à toutes les semaines. Vous soumettez des photos, vous soumettez des vidéos, vous demandez de la rétroaction à moi et aux élèves également. Dans les ateliers interactifs, on analyse les photos de vos pratiques. On regarde comment vous faites telle et telle posture. Également, vous pouvez en tout temps soumettre sur notre groupe secret. Donc, il y a juste les gens de la communauté de la formation qui peuvent y accéder. Et une des choses qu'on évalue, c'est votre pratique à vous également, les démonstrations que vous faites, la sécurité que vous mettez en place à l'intérieur de votre pratique d'enseignement, mais aussi comme professeur de yoga. Donc, en fait, je vous vois pratiquer beaucoup et on a aussi un stage en personne. Et avec ce stage, ben là, on raffine les postures encore plus. Et moi, je sais que la pratique des gens se transforme parce que je vois l'évolution sur les photos. Je vois vos premières photos, vos premières pratiques, et je vois au fur et à mesure, lorsque vous mettez en place les courbes naturelles de la colonne vertébrale, lorsque vous apprenez à respecter votre amplitude qui vous est propre et que vous ne compensez pas ailleurs. Je vois également lorsque vous commencez à utiliser des accessoires et que là, vous avez une posture qui est beaucoup plus ferme et stable. Donc, je peux le voir de cette façon-là. Vous avez aimé cette vidéo? Je vous invite à cliquer sur « J'aime » et à la partager auprès de vos amis. Abonnez-vous aussi à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos inspirantes de Diva Yoga.